Stéphane, on est ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler de la dispersion de ta collection le 1er juin prochain chez Christie's à Paris. Pour les personnes qui nous regardent, tu es un marchand reconnu du design et de l'art contemporain de la période des années 50 à 70, très spécialisé sur les artistes et créateurs français. Tu as ouvert une galerie en 2005 à New York où tu défends. Euh, l'avant-garde de ses créateurs en exposant dans de nombreuses foires internationales comme Basel ou Tefaf. Un travail minutieux euh, depuis euh, à peu près plus de 15 ans où tu as permis de reconnaître des artistes comme Pierre Paulin ou Maria Perguet. Euh, accessoirement tu as... Euh, Développer aussi euh, l'art contemporain dans ta galerie en ajoutant des artistes comme Jaquet ou César euh, qui permettent de renforcer cette période euh, des années euh, post-Seconde euh, Guerre mondiale, extrêmement créative, euh, colorée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es arrivé à collectionner et à défendre euh, de tels artistes Ok. Ben, tout d'abord, bonjour Joséphine, bonjour Flavia. Bonjour Stéphane. Merci de m'avoir accueilli ici. Merci pour cette introduction et cette description, Flavien. Comment j'en suis arrivé à collectionner et à défendre le design français et l'art de la même période Alors je dirais que c'est un petit peu une longue histoire, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, pour la faire assez courte, en quelques phrases clés, on va dire que j'ai débarqué aux puces de Saint-Ouen, où j'y ai fait mon apprentissage, comme beaucoup de marchands. Je ne connaissais pas le design, euh, le 20e, quand je suis arrivé là-bas, mais très vite, ça m'a intéressé. Au début, j'étais un peu plus généraliste. Euh, J'ai rencontré ma future associée euh, Suzanne Demich, avec laquelle on a ouvert la galerie euh, Demich d'Anan à New York. On a commencé par faire des tournées euh, européennes. On allait en Italie, en Belgique, en Allemagne. On achetait un petit peu de tout. Et puis le fait, certainement, enfin, le fait d'être français a certainement aidé, comme j'étais en proximité des pièces, de la documentation. Donc je me suis intéressé au design français, au créateur de l'après-guerre, qui n'était pas du tout connu en fait au début des années 2000, quand j'ai commencé. Et c'est venu progressivement. Euh, alors, il y a, il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs groupes de créateurs qui se sont un petit peu définis euh, et dans lesquels notre intérêt euh, euh, s'est dirigé. Il y a ce qu'on a un peu tendance à définir comme la, la décoration chic française des années 60-70, donc il y a des gens comme Maria Perguet, Michel Boyer, euh, le mobilier d'artiste, euh, bon, il y a beaucoup de choses dans cette, dans cette période. Et après, il y a le design, on va dire enfin, toute l'école des designers français qui sont un petit peu les héritiers de l'UAM, qui ont commencé à travailler après-guerre, donc Paulin, Motte, Garich, Philippon Lecoq, euh, Abraham Erol, Mortier, Alain Richard. Euh, donc ça n'a pas créé une antinomie, mais stylistiquement parlant, c'était quand même deux univers très différents. Mais on, on a plongé avec, euh, avec passion et beaucoup d'intérêt dans, dans ces deux domaines euh, qu'on a défrichés. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, il y avait d'autres marchands à l'époque qui ont commencé à s'intéresser à ces créateurs. Euh, Pierre Paulin, en fait, m'a amené au design français, enfin à la génération euh, dont je viens d'énumérer les noms. Euh, je dois aussi quand même citer Patrick Favardin, euh, Feu Patrick Favardin théoricien, marchand, qui a écrit le livre sur le décorateur des années 50 français, que j'ai rencontré tout au début des années 2000, qui avait sa galerie à côté de chez moi, euh, que j'ai beaucoup fréquenté, qui m'a beaucoup appris, et qui m'a aussi bien initié, en fait, à cette période de créateur. quant à l'art de cette époque, c'est venu un petit peu progressivement. Euh, en fait, c'est césar qui m'a ramené à l'art. Et César, au travers du mobilier qu'on a eu, parce qu'il y a quelques années, on a fait une exposition euh, sur euh, Henri Samuel, le décorateur français, mmh. qui avait à l'époque euh, commandité des, des artistes comme euh, Rougemont, comme Arnal, comme Ickili, César, euh, de faire des pièces pour lui. Et on a donc montré pour la première fois euh, bah, César euh, à la galerie à New York, et ça a plutôt bien marché. Euh, César, je connaissais comme tout le monde. César, le papé, enfin bon, enfin c'était euh, assez inévitable dans la, dans la scène artistique française, mais je connaissais finalement pas bien son œuvre. Donc j'ai redécouvert César. Dans ta collection, on découvre tous les matériaux qui a pu aborder César, que ce soit l'inox, le bronze, le plexi, qui sont des matériaux aussi utilisés par les designers à la même période. Donc on, on comprend vraiment le pont de comment ces nouveaux matériaux ont pu être magnifiés. Est-ce que tu as eu exactement cette approche pour euh, acquérir ces œuvres et, et créer une discussion entre designers et euh, artistes Alors, c'est très juste. Les matériaux et l'expérimentation des nouveaux matériaux. Alors, on parle de César, la mousse de polyuréthane, donc les expansions, parce que toutes les expansions partent d'une ouais. mousse de polyuréthane, qui est la même mousse qu'on retrouve dans les fauteuils dans les, 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 les plastiques injectés en mobilier. Moi, j'ai toujours eu un petit peu le, le, le fantasme d'imaginer le, le Saint-Germain-des-Prés des années 60, où il y avait euh, Yves Klein, César, Armand, euh, Martial Rest, euh, parce que les galeries étaient là, les bars étaient là. Maintenant, il y a, pour revenir à l'idée des, des nouveaux matériaux et de l'utilisation des matériaux, il y a effectivement des, des similitudes. Euh, des cohérences entre des approches, euh, alors que ce sont des domaines complètement différents, parce que le, la pratique mmh. artistique et la pratique de design, et surtout de design industriel, ça n'a rien à voir. Mmh. Euh, mais c'est des choses qui ont, été, qui ont été expérimentées par ces gens-là euh, au même moment, au même endroit, et donc forcément ça a créé des liens, et ça a créé une espèce de cohérence, peut-être stylistique, sur des pratiques qui ont, comme je le disais, pas forcément grand-chose à voir. C'est bien que tu utilises le mot expérimentation, puisque dans les, les pièces qui sont présentées, beaucoup de pièces ont été éditées, mmh. et c'est vrai que beaucoup de pièces n'ont pas forcément eu de gros succès commerciaux à l'époque, ou ont été faites en petite séries, ce qui déjà justifie leur rareté aujourd'hui, et euh, font que ces œuvres-là, avec leur redécouverte, redeviennent au goût du jour et deviennent aussi des, des masterpieces of design et, euh, et permettent aux gens vraiment de, de s'approprier et de redécouvrir euh, la qualité de, de certaines pièces. Euh, je trouve que c'est un des points importants dans ta collection, c'est que c'est des choix euh, assez précis et en, engagés. Euh, je peux penser aux au lampes de Jean-Pierre Vitrac euh, qui ont tout ce côté euh, technique, mmh. euh, extrêmement rare, on en voit passer vraiment peu sur le marché. Et qui euh, voilà, sont vraiment euh, l'exemple parfait d'expérimentation et euh, d'édition en toute petite série qu'on réussit à, à passer les âges et à arriver enfin euh, vers nous aux enchères. Oui, oui tout à fait. Je, je le dis souvent, c'est devenu un peu un, un, un leitmotiv, que le paradoxe de cette génération, donc des années 50-60, qui en fait a participé au, au début de l'industrialisation du mobilier, édité de la production en masse, et qu'en fait la plupart de, des modèles qui ont été les plus novateurs n'ont pas eu de succès. Mmh. Donc le public français les a boudés, ne les a pas compris, à part quelques clients, des architectes, ou des gens un petit peu pointus, un petit peu élitistes. Mais de manière générale, à euh, contrario des pays scandinaves ou italiens, ça a été un peu un flop. Donc on enfin moi je me suis vite retrouvé avec, enfin quand j'ai commencé à accumuler de la documentation, des livres, oui. des magazines, avec un catalogue d'images magnifiques, de Bien modèles sûr. incroyables présentés sur des salons, la SAD, le salon des artistes décorateurs, le salon des arts, -arts ménagers. Et finalement ces modèles, bah j'ai découvert qu'ils n'avaient quasiment pas été édités oui. parce que ça n'intéressait pas les clients oui. et qu'une production plus commerciale dictée un petit peu par les vendeurs de, des magasins de mobilier. Avait avait, c'était un petit peu substitué à ces, à ces modèles. Donc euh, d'un donc côté, on se retrouve dans la période industrielle, où les choses sont censées être produites pour le grand nombre, et malheureusement, ces modèles n'ont pas été édités, ou très peu. D'où l'intérêt de les collectionner. Tu parlais de Jean-Pierre Vitrac, alors c'est un assez bon exemple, parce que Jean-Pierre Vitrac, très grand designer français, toujours en activité, qui a, de mon point de vue, à créer, euh, on va dire, les, les, les plus beaux modèles de lampes, voire les plus extravagants luminaires euh, pour verre-lumière euh, à la fin des années 60, début des années 70. Euh, ces luminaires comme la lampe fleur et la lampe éventail, elles ne sont restées que quelques années au catalogue verre-lumière. Et elles ont disparu très vite, mmh. parce que ça devait coûter relativement cher à fabriquer, donc relativement cher à vendre et que finalement il en a fait assez peu. C'est ce qu'on s'est dit avec Joséphine quand on a regardé euh, les photos, euh, que ce soit de, de chez toi ou le contenu que tu mets sur la galerie, on voit des intérieurs iconiques des années 60-70, mm -hmm. où dans nos deux spécialités, on a le top du top. Moi j'ai des pièces iconiques euh, en design, Joséphine elle a des tableaux ou des sculptures euh, vraiment euh, exceptionnelles, et je pense qu'aujourd'hui... On est dans une nouvelle façon de concevoir son intérieur. On est peut-être sur des intérieurs un petit peu plus minimalistes. On voit des inter-designers, je pense à Étienne Fermigier, mmh. Jacques Dumont, qui sont extrêmement actuels. Et pourtant, ils ont été créés il y a quasiment euh, 60 ans. Oui, oui, ouais. Mais c'est euh, de toute façon là. La, la modernité, quelle que soit l'époque à laquelle elle est née, elle reste intemporelle. La seule différence aujourd'hui, enfin je dirais, c'est qu'à l'époque, quand moi j'accumulais en fait des. Des références visuelles sur les intérieurs créés par mmh. ces créateurs, on était un peu dans un total look. C'est-à-dire qu'il n'y avait ouais. pas de mélange. Alors, de temps en temps, il pouvait avoir une paire de bergères 18e héritées de la grand-mère euh, qui se baladait dans le décor. Mais quand ces créateurs euh, travaillaient pour des clients, c'était tout l'intérieur de la maison total qui, était, qui ouais. était créé par, euh, que ce soit Fermigier, euh, Gariche, mmh. Dumont ou autre. Donc, il y a, y a une cohérence, euh, stylistique implacable. Pour en revenir un peu sur la partie un peu plus contemporaine de ta collection, euh, il y a notamment pas mal d'œuvres de, de Jaquet, euh, qui est un artiste euh, pop euh, des années 60-70, euh, qui a utilisé énormément de médiums euh, différents. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, en particulier comme médium euh, chez cet artiste Alain Jaquet, immense artiste français, injustement euh, reconnu, euh, c'est en train de, de changer un peu là en ce moment? Ça, ça bouge et euh, il est en, à la fois c'est vraiment un cas particulier parce que il est partout et, et il est complètement sous-évalué sous côté. Euh, il en a souffert je pense, euh, de son vivant et c'est un petit peu aussi euh, du fait de sa situation où il était entre New York et Paris qu'il n'a pas réussi totalement à percer aux États-Unis, tout en n'étant pas à Paris à Paris, c'est plutôt les nouveaux, les nouveaux réalistes qui ont pris un petit peu le devant de la scène artistique. Donc il s'est retrouvé un peu isolé, mais bon. C'est quelqu'un qui, au travers de son travail, euh, je trouve, représente totalement euh, l'époque. Et une fois de plus, en fait, les, les, aussi les avancées techniques, la sérigraphie, la multiplication des œuvres. Euh, donc il s'inscrit totalement dans une modernité et à la fois un lien avec le passé, parce qu'il reprend en fait une imagerie. Euh, ancienne, le déjeuner sur l'herbe, évidemment, mais pas que. Euh, donc c'est quand même à la base un peintre qui a travaillé sur la peinture. Mais je trouve que le, toute la quintessence en fait des recherches de Jacquet euh, s'épanouissent totalement sur le travail sérigraphique euh, qui démarre euh, dans les années 64, euh, suite à sa présence à New York, suite à sa fréquentation avec les, les pop américains, euh, Liechtenstein, Warhol euh, et autres et qui va développer au travers euh, bah, de plein de médiums. Et là on se retrouve un petit peu dans la, dans la même situation que dans ta question précédente, Flavien sur César euh, les plexiglas, euh, les toiles vinyle. Euh, donc euh, c'est toujours des terrains qui se, qui se superposent avec utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, euh, et une description de, de l'univers de cette époque euh, au travers d'une approche stylistique qui était celle de Jacquet. Ce qui est top, c'est ce, cet univers qui se croise. On peut parler de l'atelier A, qui a créé du mobilier d'artistes, mmh. des choses de César, des choses de Jacquet. On en a des exemples dans la vente. On a des tables de, une table de Bernard Venet, une table de, de Jacquet, mmh. euh, qui sont euh, vraiment euh, la croisée de, de ces univers. Et, et qui marque bien la, le côté touche-à-tout de, mmh. de cette période qui était vraiment une période de liberté ouais. pour ces artistes. Alors là, l'atelier, bah tu as, as totalement raison, c'est un peu une synthèse euh, d'une volonté alors, initiée par François Arnal, parce il ne faut quand même pas l'oublier, ouais. Donc euh, artiste français, peintre, euh, enfin, c'est surtout un peintre, euh, Arnal, et qui a eu l'idée à un moment. Alors ça, ça participe de toute l'utopie de la fin des années 60. Euh, de rendre tout accessible. Alors c'était un jeu, c'est chacun, Armand, Venet, euh, Sainte-Jouan, euh, sont venus avec leur, euh, avec leur monde, ils l'ont adapté, l'ont traduit dans des objets, luminaires, cendriers, tables. Il euh, y avait le showroom qui était rue Hamelot, qui était une espèce de pépinière, enfin de ruche, où ces gens se sont croisés, ont échangé des idées, ont fait des objets. Alors on est, c'est la période de mai 68, donc tout ça, ça bouillonne, et, et tout ça en fait, c'est vraiment le cœur de, de cette période, de cette période qui, qui mélange en fait euh, différentes approches, euh, différents mondes, et qui rend cette période super intéressante. Une autre artiste aussi qui je trouve fait bien le pont entre le design et l'art contemporain, c'est chez la X qui utilise donc euh, le textile euh, pour ses œuvres d'art, évidemment qu'on retrouve. Euh, de textile dans toutes les pièces de design. Donc je trouve que ça, ça parle bien aussi euh, des deux spécialités, et ça fait bien le pont aussi entre les deux. Pareillement, et, et encore plus que, parce que chez la X, euh, alors artiste américaine, mais installée en France au début des années 60, euh, à cette époque, tout en ayant une pratique euh, artistique, mais qui était plus intime euh, pour elle, euh, elle était à l'époque surtout sur le champ de l'architecture. Elle a beaucoup travaillé avec des architectes, euh, à la fois aux États-Unis, hein, des gens comme Warren Platner, euh, mais en France, euh, et notamment avec Michel Boyer, où on lui demandait en fait d'intervenir sur les murs. Parce que une des grandes idées de l'époque en architecture d'intérieur, c'était d'habiller les murs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est, euh, c'est les trônes glorieuses, c'est l'époque où on construit du béton et du béton de tous les côtés et qu'il faut un peu humaniser euh, tous ces intérieurs en béton, en acier et en verre, en amenant un petit peu de chaleur, euh, un petit peu de douceur. Donc on fait intervenir des artistes sur euh, des bâtiments publics, mais aussi sur des intérieurs privés. Et chez Laïque, ça fait des, des créations incroyables. J'ai commencé un petit peu à rechercher son, ces pièces, euh, ce qu'on appelle les pièces historiques, c'est-à-dire des années 60-70, euh, qu'on ne trouvait pas euh, très facilement à l'époque, mais qu'on pouvait acheter plus facilement que maintenant. Et parallèlement... Il y a eu un, un mouvement beaucoup plus large de redécouverte de cette artiste, parce qu'elle a commencé à cumuler, alors je vous parle de ça, c'était il y a 6-7 euh, ans, euh, elle a commencé à cumuler euh, expositions, rétrospectives, et puis c'est monté, 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 voire presque trop vite pour nous, en fait, pour poursuivre le marché, et puis elle a littéralement explosé. Euh, et le fiber art, <laughs> c'est quelque chose qui a, nous a submergés euh, ces quelques dernières années. Mais chez Laix, c'est une, euh, une immense artiste. Tu vends ta collection Stéphane Oui. Tu vas repartir sur les mêmes années ou tu vas te lancer un nouveau défi euh, de rechercher des pièces d'une autre période Je vais à la fois continuer. Parce que, euh, euh, période, parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter cette période, et c'est pas parce que je vends une partie de ma collection euh, que je tourne une page sur cette période, mm -hmm. euh, parce que j'ai encore beaucoup de choses à, à trouver euh, que je n'ai pas trouvées. Et à la fois, euh, j'ai d'autres domaines aussi euh, qui m'intéressent. Euh, L'art euh, m'a amené à m'y intéresser de plus en plus, donc j'ai un petit peu creusé, je creuse de plus en plus le, le domaine artistique, on va dire. Et dernièrement, j'ai eu une crise existentielle qui m'a amené à la peinture française 19e. Alors là, c'est un tout autre sujet euh, qu'on ne va pas prendre la peine de développer. <laughs> on a <laughs> hâte de voir le mélange. <laughs> mais mais ça, ouais, c'est ouais. un des effets collatéraux de la pandémie. Alors maintenant, on passe à l'interview en cinq minutes. On cinq va te minutes. poser chacun des questions. Il faut que tu nous répondes spontanément à, euh, à. à chacune d'elles. Joséphine, tu marre. démarres. Parti. Alors, César, expansion ou compression c'est expansion ou compression Voilà, oh pas facile. Pas facile. J'ai pas le choix. Il faut que je dise l'un ou l'autre. Ah ouais oh, Putain, c'est tellement deux trucs. C'est comme inspirer, expirer. C'est deux mouvements complètement différents. Tu ne sais pas faire une réponse en même euh, si temps. Non, je ne peux pas. Peu. <laughs> si, si, si je dois choisir, euh, allez, on va dire expansion. C'est un peu comme euh, mon flux de parole. Je suis plus dans l'expansion dans que dans la, la contraction. Okay. Euh, on va dire expansion. Alors, dans l'ARP Plutôt Mortier, Gariche ou Motte. Ah bah là, la, la question ne se pose pas. Moi c'est Motte, c'est toujours Motte. Euh, et ça ne remet pas en question les qualités des, des deux oui, autres. Des autres hein. Mais euh, Motte, euh, non Motte ça a toujours été mon, mon favori en fait. Okay. C'est un peu idiot parce que euh, ils sont tous très importants. Mais j'ai euh, j'ai toujours été fasciné en fait par l'immensité de ce créateur français. Qui est en train de, de petit à petit, hein, ça prend du temps euh, de se faire reconnaître à sa juste valeur. Donc euh, j'espère que exposition, euh, monographie euh, participera d'une reconnaissance un petit peu plus euh, publique. Mais immense, immense designer français euh, des années 50, 60, 70. Donc euh, sans hésiter, je prends Motte. <laughs> bon, c'est pas facile, mais ta pièce préférée, côté design et côté art contemporain, dans la sélection dans la sélection, euh, j'ai quand même un petit faible pour la table de Rougemont, la table, la table nuage, euh, notamment celle-ci qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas la The Cloud, Table euh, habituelle. Je trouve que c'est un magnifique objet euh, poétique euh, qui réunit euh, euh, à la fois la, la forme, les matériaux, l'éclairage. Euh, je ne sais pas, c'est une pièce simple qui est devenue. Qui, est devenu un peu iconique. Euh, moi je mettrais quand même un petit, un petit tag sur le, la, table, la table nuage. Euh, en art, euh, j'aime beaucoup ce tableau de Jacquet, le, le, le pape Otto. Euh, alors euh, qui était Otto Hahn euh, Bah, C'était le grand critique euh, de l'époque qui a soutenu euh, les nouveaux réalistes et le pop. Enfin, la scène pop euh, internationale et française, euh, beaucoup aussi de relations entre l'Amérique et la France. Euh, je ne sais pas, pareil, une incarnation, une quintessence d'une période, d'un style, euh, c'est percutant. Alors, tu es plutôt salon des artistes décorateurs ou salon des arts ménagers SAD, à fond. Salon des artistes décorateurs, pas tellement pour le côté décorateur, ouais. mais pour le côté euh, euh, expérimental où chaque ouais. créateur. Euh, avait cette plateforme euh, mmh. annuelle ou biannuelle euh, pour présenter euh, ce qu'ils savaient faire de mieux. Il y a sûrement des gens qui nous ouais. regardent et qui commencent leur collection. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à leur donner pour commencer Le conseil à la collection acheter très cher. <laughs> Ça nous arrange. Vous êtes, je vous êtes très bien. Vous êtes sûr que vous allez acheter des, des bonnes choses. Euh, C'est Difficile d'avoir une, une réponse et une formule qui soit un petit peu originale par rapport à, au, au mode d'emploi traditionnel de la collection. S'informer, euh, repérer les bons modèles. Euh, donc ça prend toujours un petit peu de temps. Euh, après, c'est toujours pareil. Quel que soit le, le niveau d'achat ou la catégorie d'objet, l'argent, c'est quelque chose qu'on oublie assez vite par rapport à... À la pièce, quand la pièce est importante, elle transcende tout. Ta collection résumée en trois mots, Stéphane Ma collection résumée en trois mots. Alors historique, esthétique et passionnelle. C'est un bon résumé je sais pas, c'est facile, ça, ça, non, mais bien, ça correspond. Bien. à ta personnalité en plus. Ouais. Euh, voilà. et à ce que tu, tu nous présentes. Donc, euh... non, trois mois c'est pas facile, mais, euh, mais euh, non, non, ma, ma collection, ma collection, euh, difficile à synthétiser, euh, des années de recherche, des mmh. années de plaisir. Euh, euh, voilà, euh, à la fois euh, côté très ludique, enfin ludique dans, le, dans mon approche. Mmh. Euh, Je suis pas là pour me faire chier. Et, euh, et à la fois derrière tout ça. Euh, Travail de, de, de recherche, d'accumulation de, de, d'archives, de, de documents, ouais. euh, que ce soit sur les artistes, comme euh, dès que j'achète une pièce de, de quelqu'un, euh, il faut que j'accumule toute la documentation. Aujourd'hui, c'est super fin. Avec Amazon, mm -hmm. paf, 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 on peut arriver à, à remplir des étagères de bibliothèque. Euh, donc il y a toujours un, une volonté de, de savoir, de, de connaître. Ouais. Euh, et puis, et puis voilà, et puis ce, ce, ce côté ludique de la, de la relation à l'objet, du plaisir de vivre avec, de les avoir chez soi, euh, de pouvoir les changer, c'est des dialogues, euh, c'est des dialogues avec des pièces, c'est des dialogues avec des créateurs. Tu le dis dans l'introduction de la vente, que c'est des œuvres avec lesquelles tu as vécu, qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé dans un, un cheminement intellectuel, un cheminement de recherche pour aller mmh. chercher ces autres pièces, peut-être des, des idées euh, d'exposition. Moi, personnellement, je, je suis exactement dans, cette, euh, dans mmh. cette démarche. Je trouve que vivre avec ces objets, les appréhender différemment, mmh. euh, que ce soit en les utilisant, en les contemplant, ça change totalement notre perception et, et notre niveau de collection et notre passion pour ces thèmes-là devient de plus en plus grande et, et on va justement chercher des nouvelles œuvres. Euh, qu'on chasse et qu'on essaie ouais. de présenter euh, dans nos ventes. Non, non, ouais. mais euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter à, à ta définition parce qu'elle est, euh, est ultra juste. Maintenant, alors je crois que c'est un petit peu hein, quelque chose euh, que chaque collectionneur a, euh, cette relation avec l'objet. Moi, comme beaucoup de collectionneurs, j'ai besoin... Ah, c'est pas que j'ai besoin de posséder les choses pour les posséder, mais j'ai eu besoin de les avoir avec moi pour justement développer ce dialogue que je n'aurais peut-être pas développé que sur photos ouais. ou, ou sur des livres. Donc, le, donc vivre avec ces objets, euh, chaque objet a été en fait un médium qui m'a fait avancer dans mes recherches de tous, ces, de tous ces terrains. Donc ça a été à chaque fois des rebondissements, un tableau, une sculpture, une exposition, des meubles, ça passe à la maison, ça circule. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça s'enchaîne, mais euh, il mais y, a, y, a, y a réellement ce, ce besoin de, de vivre avec, euh, avec ces choses. Alors, Stéphane, on va ouvrir euh, l'exposition de ta vente le samedi 29 mai mm -hmm. euh, chez Christie's au 9 Avenue Matignon. À cette occasion, trois espaces te sont dédiés avec, euh, dans lesquels tu, as, tu vas mettre en scène. Les pièces de ta collection avec Jean de Piedpape, mmh. euh, ton scénographe avec qui tu collabores depuis des années sur tous les, les projets de stand à l'international et, euh, et à la galerie. Est-ce que tu peux nous, nous parler, nous faire un petit teasing de, euh, de ce qu'on va découvrir et, et de l'ambiance que tu as voulu euh, recréer dans ces salons Alors, La scénographie de, de la vente, euh, je l'ai euh, appréhendée comme une exposition. Euh, comme toutes les expositions qu'on a faites avec, euh, avec Jean, que ce soit en galerie ou euh, sur des stands. À part que là, 100 euh, pièces, c'est beaucoup de pièces à mettre en scène, avec des pièces très fortes euh, dans les deux domaines. Donc, on a trois très belles salles qu'on a structurées en différentes séquences, mettant en scène euh, la table César, avec des pièces de César autour, mais aussi un environnement avec des pièces de Jacquet. Il euh, y a tout un groupe de pièces de motte que je ne voulais absolument pas séparer, notamment parce qu'il y a un bureau qui est une pièce unique, une commande publique, avec les assises, la table basse qui vient du même endroit. Donc euh, il était évident de présenter ces choses ensemble. Donc il y a des vraies parties structurées par des pièces importantes, euh, avec euh, un côté un peu plus muséal sur la dernière salle. Euh, alors quand je dis muséal, c'est que dès que vous mettez quelque chose sur un podium, ça fait musée. Mais, on n'a pas pu s'empêcher, on adore ça, euh, avec des agrandissements photographiques euh, d'images d'époque pour un petit peu animer. Euh, il a fallu trouver le juste équilibre, parce que ce n'est pas un musée, ce n'est pas une galerie, c'est une salle des ventes. Il euh, ne faut pas que ça soit trop compliqué. Il faut que les choses ressortent, soient euh, compréhensibles. Donc voilà, on a essayé de faire clair, euh, fort, et j'espère réussi euh, en assez peu de temps. Mais je suis assez, euh, assez impatient d'être dans, dans l'expo et de, et de mettre tout ça en, en pratique et de voir le résultat de, de cette exposition. Bon, merci Stéphane en tout cas, pour cette entrevue. Ben avec grand plaisir. Hein, déjà, merci de m'avoir accueilli. Euh, et je serai ravi de, de continuer. Euh, cette interview avec, euh, avec des, j'espère, de futurs collectionneurs de mobilier et d'art français des années 60-70. <laughs>